non, 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 arrête, s'il te plaît. Philippe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque de nous faire beaucoup rire, je pense, puisqu'aujourd'hui, on va faire monter dans cette voiture quelqu'un qui a clairement une peur bleue de la route. Et nous avons découvert récemment, avec Alexis qui est derrière la caméra, que Pierre a une peur bleue des gens qui conduisent un petit peu énergétiquement en voiture, on va dire. Ouais, mais même sa grand-mère pourrait lui faire peur, c'est chaud. On lui a fait faire la dernière fois un petit tour dans mon ancienne voiture et le mec, il était traumatisé. Il se tenait à la poignée, il posait son pied sur le tableau de bord. Alors maintenant qu'on a changé de voiture, on en a une qui marche un petit peu mieux. Alors voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'ai un truc qui pousse de fou. Mais croyez-moi, c'est largement suffisant pour qu'il souille un de mes sièges. Grave. Il se doute pas, c'est qu'on arrive avec une petite caméra ici, ainsi. Je pense que quand il va voir ça, il va se douter tout de suite qu'il y a une couille. C'est sûr. J'allais dire, ta voiture, elle a une petite spécificité. Qu'on vous a pas montré la dernière fois, c'est qu'elle conduit quasiment toute seule. Regarde, j'lâche le volant. Et elle reste toute seule dans la ligne en fait. Ça s'appelle le Line Assist avec l'ACC qui permet de régler la distance par rapport à la voiture qui est devant. Et là regardez, je ne touche plus à rien. Sauf qu'au bout d'un moment, la voiture te dit de reprendre le contrôle. Et si tu ne touches pas le volant, elle se met à sonner comme là. Si tu ne reprends pas le volant, elle va mettre un coup de frein. Voilà. T'as senti le coup de frein. Ouais, ouais, c'est... Et après ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire vibrer la ceinture. Regarde la ceinture. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh c'est ouais, bon. Ça cogne. La première fois que j'ai découvert ce truc, je me suis chié dessus. Alors j'aimerais faire monter Pierre ici, qu'on lui fasse faire ça et je pense que... Limite, on lui tient les mains, je sais pas, on fait un truc. Je pense que le coup de la ceinture, ça va le traumatiser, donc on verra ça après. Pour des raisons évidentes, ce n'est pas vraiment sa vraie porte de maison. Les gars, vous préférez la voiture avant ou aujourd'hui? Franchement, la couleur avant, elle était carrément plus belle. Non, je suis d'accord. La couleur avant, elle était mieux. Mais celle-ci, elle est toute neuve. Tiens, les mecs, voiture neuve et tout. Quoi. C'est on joue plus dans la même corps, là. C'est incroyable. Vous me voyez, mais moi, je vous vois. Et c'est juste... dégueulasse. Quoi, c'est dégueulasse? Tu peux voir comment c'est fait. La voiture est neuve, beau pare-brise. Je pense que le pare-brise coûte plus cher que ma Clio. Il met ça dessus. Ah, ça va, il a pas mort d'homme, arrête. Non, mais je suis sûr, c'est avec un petit dissolvant, ça. Non, mais oui, c'est cool. Bah, c'est comment il faut chez Carglass pour enlever les pare-brises? Ils prennent ça. Non, mais le mec a failli caler avec une boîte auto, quoi. C'est possible? Non. On va aller ici. Ici, on a les freins et on va tout désactiver. Pourquoi? Tu vois, là, sonner, là, ça veut dire que la voiture te prévient qu'elle n'a plus de SP. Ah ouais, d'accord, il y a un voyant là. Alors ça veut dire que la voiture est susceptible de partir un petit peu en couille si tu tapes trop dedans. Et du coup, tu vas pas taper dedans? Non, bah, non, évidemment. Elle est neuve. Et du coup, moi, je t'invite à aller tout droit parce qu'il y a des beaux virages. Tout droit ou... Ouais, tout droit. Parce que là-bas, c'est des petits chemins comme ça. Moi, je suis pas trop fan, tu vois. Parce que faire un face-à-face avec quelqu'un, tu vois, c'est... Wow, 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 allez. J'ai rien fait, là. Ouais, mais ça pousse. L'enculé. Ta mère. Elle a vu ma mère. Arrête. Arrête. Wesh. Mais quoi? Non, 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 non. Wow. Non, non, mais je rétrograde juste, non, là, tranquille. Non, 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 non. Et sans faire exprès, mettre un coup, mais un peu trop. Mais ah non, sans, non, non, voilà, non, non, et de me faire embarquer comme une bite, parce que j'ai aucune expérience. On n'est pas, enfin, pour rester cohérent, on n'est pas non plus dans une voiture de sport incroyable. C'est une voiture qui est bien pour tous les jours, mais qui est bien aussi pour, tu vois, genre rétrograder et puis... Non, non, non. C'est horrible. Comment ça, c'est horrible? Comment toi, tu peux kiffer derrière? C'est génial. Putain, gros, ça tousse, genre... ça tire, ça t'entend du bruit, il y a la vitesse, il y a tout, gros, c'est génial. Non, regarde, mais... Regarde, regarde, regarde. Le plus marrant, c'est sur les petites routes comme ça. Non, mais là, c'est pas drôle. Alors, tu vois, là, admettons, on est en quatrième. Ouais. T'as juste à prendre la petite palette. Non. Troisième, non. Deuxième. Oh ah wow. Mais arrête, des conneries, là, mais... Stop, stop, stop. Il y a une biche, pense à Bambi, gros. Non, mais alors, tiens à préciser qu'aujourd'hui, on va respecter les limitations qui nous sont imposées par la loi, ainsi que les autres usagers de la route. On fera des accélérations les mieux possibles, mais de 0 à 50 ou de 0 à 80, tu vois. Pour s'insérer, il n'y a pas trop de problème puisque... L'enfoiré ! Et nous sommes insérés. Quand le truc est en... T'as mis le siège chauffant, gros.
Tu veux vraiment que je souille? Non, pour... je crois que tu t'es Le siège chauffant est pas activé, tu t'es juste chié dessus. Je suis en train de transpirer, j'ai chaud, laisse tomber. Tu peux baisser la clim, je pense que t'as la clim sur cette Ouais, bien sûr. Ouais, mais le froid. Ah ouais, non, mais attends, tu déconnes là, c'est tactile comme ça. Ouais, c'est tactile comme ça, tu vois. Et what? On va peut-être pas mettre. Ouais, 16 degrés. Ouais, voilà. plus. T'as besoin de te rafraîchir, ouais. Ah ouais, rafraîchis-moi, s'il te plaît, je suis en train de décéder la vie de ma mère. Putain, je vois un truc là-bas, ça me plaît pas du tout. S'il te plaît, le focus. Focus, mais mort. Qu'est-ce qui te plaît pas? Ben ça là, le truc qui arrive là, le truc rond. Ah, le truc rond, ouais. Non. Ici, hein. Non. Arrête, s'il te plaît. Philippe. Mais putain, mais dit Taras. Mais c'est génial. Gros, t'as pas vu la maîtrise qu'il a eu là dans le. Genre, t'as eu peur, il a tout géré. Tu veux l'essayer? Vas-y, pourquoi pas. Vas-y, il y a un parking là-bas. Il y a un petit parking. Vas-y, mais tranquillou, franchement, je roule comme une mamie et ça me convient. Culé, il a mis la voiture de travers. Même moi avec ma Clio, quand je mettais des câbles dans du gravier, jamais j'arrivais à. Ces bâtards, ils se foutent de ma gueule. Bah ouais, rigolez, hein. Non, mais putain, faut lui faire le coup du volant, gros. Oui, c'est vrai. On va lui faire le coup de la conduite autonome. Ouais, avec le coup de la ceinture et tout, là. Ouais, t'inquiète, vas-y, viens t'installer. Alors déjà, on va commencer par les bases. tout le monde après Philippe fait ça. Voilà, et bien, comment on fait pour rehausser le volant? Parce que tu veux rehausser le volant? Je vais devoir rouler comme un gros. Hop là, voilà, et là, choisis le volant. Tu peux même choisir la profondeur aussi. Quoi? Voilà. Mais what the fuck. ça c'est sur toutes les voitures, les gars. Du coup, c'est une automatique. Alors, le frein, c'est ton embrayage. Ah putain, on part de loin. Là, on part de loin. Ouais, bref, alors. Ok, donc là, pour démarrer, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes le pied sur le frein. Ouais. Voilà. Et là, en fait, tu viens tirer vers toi. Voilà. Donc là, on est en D, tu vois. En D, ça veut dire. Non, il n'y a pas de. Enfin, si, mais il s'enlève tout seul, en fait. Tu vas accélérer, il va s'en aller tout seul. Et là, vas-y, t'as juste accéléré, tu vois, ça part. C'était le frein à main là? Ouais, c'est enlevé, c'est bon. Putain, alors c'est le frein à main, le petit coup. C'est ça, oui, ça met un petit à coup, c'est normal, c'est parce qu'il s'enlève. Okay. Bon, là, vas-y, fais un petit tour de parking, tranquille. Donc là, c'est automatique là. Là, c'est automatique, les vitesses vont passer toutes seules. Tu vois là, il y en a une qui vient de passer là de vitesse par exemple. Qu'est-ce que je vois sur le pare-brise là? C'est quoi que je vois sur le pare-brise? Pourquoi je vois les kilomètres-heure sur le pare-brise? Ah oui, ça c'est l'affichage tête haute. Quoi? Là, regardez, on a. Je sais pas si vous allez voir, les gars. On a juste ici. C'est trop. Un affichage tête haute, je sais pas si vous allez le voir. Si on le voit, ouais, on le voit. On voit, on est à 14 km/h, Pierre se pisse déjà dessus. Alors les clignotants, c'est ici, voilà. Vas-y, roulons. Oh la pute. Bon, ok. Je t'invite à rejoindre la 2x2 voies, comme si t'as la noyon, on va te faire tester un petit truc. Alors là, je mets le clignotant, ouais, voilà. Tranquille. Nous sommes actuellement... Comment ils sont déçus parce que j'accélère pas, ils attendaient que j'accélère comme un. Oh, quand il y a une voiture qui te dépasse, il y a un truc. Oula. J'ai fait du 90 à 117 en même pas une seconde. On va se calmer. J'ai senti qu'elle a rétrogradé toute seule pour pousser parce que je me suis mis pied. Exactement. On va mettre un truc qui s'appelle le régulateur de vitesse. Tu connais, tu l'as sur ta voiture, le régulateur? Ouais, je l'ai sur mon van, c'est la meilleure invention. La meilleure invention du monde, ok, on est d'accord. Maintenant, ouais. Regarde, j'active ici. Le régulateur, tu peux lâcher l'accélérateur du coup. Okay, voilà. Ouais. Donc là on est au régulateur. Et donc j'appuie sur ici le plus pour le faire monter. C'est ça, bah attends, là tu. Ah, il monte vite, il monte vite. Tu l'as fait monter à 120. Mais pourquoi il monte aussi? Voilà, reste à 100, c'est bien, bouge pas. Maintenant on va te faire tester autre chose. Je t'invite au prochain virage, c'est-à-dire ce virage là, à lâcher le volant. Vas-y, lâche le volant. Lâche le volant. Nique ta mère. Mais c'est incroyable. Wesh. Mais touche voilà. Pas au volant. Touche pas au volant. Surtout. Maintenant, on va te montrer la sécurité qu'elle a. Au bout d'un moment, la voiture, elle va t'engueuler. Là, elle te dit de reprendre le volant. Ne le touche pas, regarde. Et là, elle va te dire, regarde, elle va mettre un coup de frein pour te faire peur. Regarde. Touche pas. Et regarde, il va se passer un truc. Regarde. Vous êtes... Ça te l'a fait la ceinture? Ouais, je t'ai fait. T'as vu, c'est ouf. C'est incroyable. Attends, je peux faire coucou aux gens. Sans les mains. Maintenant, on va te mettre le mode sport quand même. On va arrêter les conneries. Voilà, sport. La palette de droite, ça met une vitesse en plus. La palette de gauche, ça met une vitesse en moins, tout simplement. Vas-y, mets la troisième. Tu vois, les vitesses, elles sont affichées là. Allez, mets la troisième et tape dedans. C'est où la troisième? Bah non, mais tu rétrogrades. Encore une fois, voilà. Et là, appuie, accélère. Allez, passe une vitesse là. Passe. Vas-y. Oh merde, putain, j'étais à. Tu flouteras ce passage. Vas-y, un petit peu. Non, mais non ça glissera pas, t'inquiète. Je suis à 40, c'est bien. 40 km/h dans un rond-point, c'est parfait. Allez, là, tu peux t'insérer dynamiquement. Bien,
bien, c'est bien. T'as été jusqu'au rouge quasiment. Ah ouais, c'est bien. Si je ralentis. Mais si ça va. Son 15, on respecte. Je te vois, Christophe, le gendarme. Je te vois derrière la vidéo. Tu veux m'allumer? Tu n'y arriveras pas aujourd'hui. Ça va. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que maintenant, à partir d'une vidéo comme celle-ci, par exemple, si nous commettons des infractions de la route, il est possible qu'on soit verbalisé. Ouais, voilà. Je crois que les gendarmes. Donc on fera un gros plan sur le 122 km/h à la place des 110 que tu as fait tout à l'heure. Putain, j'allais rétrograder, mais tu peux pas. Bah non, tu peux c'est pas rétrograder. Mais je suis con. Bep, on freine, on y va tranquillou. Voilà, on est bien à 33 km/h, on est bien à 35, pas plus. Putain, le grip est ouf. Hein. Hey, il prend la confiance, ça y est. Vas-y, je fais des appels de phare. Mais non. Arrête. Allez, vas-y, fais-nous une belle montée. Mais c'est même pas 50 ici, c'est 80, frérot. Ouais, c'est vrai, c'est 80. Mais. On sait jamais. Attention, lui. Oh, il nous a coupé la route. Putain, mais on se fait que couper la route. Mais il nous a coupé la route normale. Mais c'est ouf. Mais qu'est-ce que. Pierre, oh, c'est ça glisse. Il va la mettre en crâne. C'est bon. Encore, ça. Non, mais c'est bon. Ouais, là, on commence à partir. Après, faut que tu saches la rattraper, la voiture. Oui, une fois ça, que. J'ai pas ce talent-là, tu vois. Donc je tâte, tu vois. J'ai l'impression. Non, tu sens que. Putain, t'as mis le siège chauffant, c'est pas possible. Non, j'ai pas mis le siège chauffant. Du cul. Ça, c'est le stress, ma couille. Mister Philippe, merci pour cette balade. Merci de m'avoir gardé en vie. Mais c'est de rien, sympa. J'espère que tu as apprécié cette petite sortie. Et je suis impressionné par rapport à la dernière fois. Enfin, tu t'es bien chié dessus au début, mais après, tu as pris la confiance. Et... Sur ce, je te quitte avec ça. Oh non, le bâtard. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à mercredi prochain, midi pile pour la prochaine. Et si vous avez des idées de covering, de design pour la voiture, j'ai des idées, mais je me perds un petit peu. Allez, salut tout le monde.